Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Alexis BS et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc déjà merci à tous ceux qui m'ont posé des questions en commentaire. Vous êtes des BG. Et juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous annoncer que j'ouvre ma chaîne Twitch pour pouvoir live. Donc le nom s'affiche à l'écran et les gars, s'il vous plaît, allez vous follow à cette chaîne. J'ai envie qu'on fasse des lives avec pas mal de specs. Et pensez aussi à vous abonner, à liker, tout ça. Donc on aura quelques questions. On n'aura pas beaucoup, mais voilà. On a des questions et je vous en remercie beaucoup. Donc la première question vient de Clash. Tu crois que tu pourras créer un serveur Discord? Alors je ne pense pas pour l'instant, mais peut-être que ça va arriver prochainement. Et s'il y a des gens qui savent comment créer des serveurs Discord et qui peuvent m'aider, je suis preneur, donc juste. Vous me contactez en commentaire et je vous explique. Enfin, je vous ajoute Discord, on pourra faire des vocs, tout ça, pour créer peut-être un serveur Discord un jour. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'en ai pas et je pense que je vais en créer un. Deuxième question nous vient de VT, enfin c'est Zeraspi. Est-ce que avec ton gros compte, tu pourras faire un club de ta communauté? Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai déjà un. Le titre s'affiche à l'écran, enfin le nom. C'est YouTube Alexis BS. Et je pense que ce club sera important pour mon passage des 50K. Donc si vous voulez le rejoindre, au moment où j'aurai mes 50K, ben je rejoindrai avec mon gros compte. Et comme ça, tout le monde me mettra GG, tout ça. Enfin voilà. Mon club, si vous ne l'avez pas, il est déjà présent et vous pouvez le rejoindre sans problème. On passe à la prochaine question. Du coup, elle nous vient encore de Zeraspi ou VT. Quand tu auras atteint les 50K, tu vas arrêter de rush ou s'il te reste par exemple 10 jours, tu tenteras les 51K ou un truc comme ça. Alors ça, je ne sais pas trop. Je pense qu'une fois que j'aurai 50K, je vais me calmer pour la saison. Je pense que j'essayerai de faire 2-3 vidéos encore bien travaillées. Et ensuite, les prochaines saisons, je ne rusherai plus les trophées globaux, mais je pense que je rusherai que les rentrantes. C'est-à-dire que les trophées, à part les 50K, j'ai pas d'autres objectifs, j'ai pas les 60K ou les choses comme ça. Juste mon but, ce sera de monter en Coupe Star et de monter des rentrantes. Donc j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Et on passe directement à la prochaine question qui nous vient de CRZ Lenny tiré du bas OG. Tu en penses quoi de Valombo? Alors Valombo, moi franchement je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il fait des lives incroyables. Il a même fait récemment un live 24 heures. Et ça, je trouve que c'est vraiment c'est le meilleur liveur pour moi. Le meilleur youtubeur qui fait des lives. Mais je trouve qu'en fait, c'est le problème, c'est qu'il fait pas assez de vidéos. Et ça, c'est. J'aime pas, j'aime bien avoir des vidéos et des lives. Donc moi, Valombo, je l'aime bien. Mais je trouve qu'il ferait pas assez de vidéos. Et pour les petits curieux, mon youtubeur préféré qui fait des vidéos, c'est Ira. Voilà. Comme ça, c'est dit. Du coup, on va passer à d'autres questions. Donc, prochaine question qui nous vient de Didi. T'as quel âge? Donc, j'ai 13 ans, pour ceux qui savent pas. Et voilà, j'ai 13 ans. Du coup, nouvelle question de Didi. Tu supportes quelle équipe, frérot? Pour les finales des Worlds, pour ceux qui savaient pas, je supportais les STMN. Donc voilà, moi je suis content qu'ils sont arrivés en demi-finale. Bon après pas de chance en demi-finale, ils sont tombés sur les Zeta Division 1. En tout cas, je suis très content de qu'ils aient fait un bon parcours. Et puis bah voilà, c'est l'équipe que je supporte. Ensuite, prochaine question qui nous vient de Zeraspi. Et là le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans cette tête pour qu'il me pose cette question. Il m'a posé, est-ce que t'as déjà mangé de la pastèque avec du Nutella? Genre ça et ça, ensemble. Genre, quoi? Alors je sais pas si t'aimes te faire des goûters quand tu rentres de l'école, pastèque Nutella, c'est bon, mais non, j'ai jamais mangé ça. On n'a pas les mêmes goûts, Zeraspi. C'est le problème, on n'a pas les mêmes goûts. Hein. Bref, si t'aimes ça, bah tant mieux pour toi, mais bon, wow, moi j'aime pas. Ensuite, prochaine question qui nous vient de Benac. Tu as mis combien d'argent dans Brawl Stars? Donc je pense que j'ai mis 110, 120 euros sur Brawl Stars. Ouais, je pense que j'ai mis à peu près 120 euros sur Brawl Stars. Et prochainement, je vais faire une vidéo
où je montre mon casier de skin sur Brawl Stars. Du coup, ben, on essayera de voir à peu près j'ai mis combien d'argent. Mais voilà, c'est à peu près le nombre d'argent que j'ai mis sur Brawl Stars. En vrai, je trouve que quand même, ça va, c'est raisonnable, 120 euros pour 1 an et demi de jeu. Je trouve que c'est assez raisonnable. Bon, allez. Prochaine question qui nous vient de Lex, donc il me pose comme question comment es-tu devenu fort sur Brawl Stars? Alors, merci déjà de me dire que je suis fort sur Brawl Stars, ça fait plaisir. Et franchement, il n'y a pas de technique, pas de faire des 1v1, juste tu te fais plaisir en jouant. Et à force de monter, de gagner des trophées, tu apprends des habitudes qui te rendent un peu plus fort. Chaque jour, à force de jouer, tu vas monter. Mais si tu veux vraiment un mode pour que tu montes le plus rapidement possible, je te conseille la Coupe Star. Donc essaye de tryhard au maximum la Coupe Star si tu veux t'améliorer sur Brawl Stars. Ensuite, prochaine question qui nous vient de Iconique. GG, tu mérites plus. Est-ce que tu comptes montrer ta tête? Donc si oui, quand? Donc je vais juste vous expliquer ça. Donc déjà, merci pour le GG. Et est-ce que tu comptes montrer ta tête? C'est la même question que Zeraspi me donne juste après, donc je réponds en même temps. Donc pour l'instant, je ne compte pas montrer ma tête. Voilà. Peut-être si un jour ça se présente, mais ça sera donc je pense au moins 1 an et 1 an et demi. Mais pour l'instant, pas du tout. Et la deuxième question, et tu utilises quoi comme logiciel de montage? Donc j'utilise PowerDirector. Donc l'image s'écrit s'affiche à l'écran et le nom aussi. Donc voilà. Et merci pour et encore une fois GG. Et pour le carry rang 25, pour ceux qui savent pas, ça commence pas encore en fait. Je finis mes 50K et ensuite je créerai le concept. Du coup voilà. Donc c'était je en même temps j'ai répondu à la question de Zeraspi, je vous le montre en 2 secondes, encore la face reveal. Voilà, donc j'ai juste répondu. Et ensuite, on va arriver sur les dernières questions. Donc, la question nous vient de Howie Mode Cobra. T'as combien de skins Coupe Star et t'as combien de gemmes? Donc, actuellement, je crois que j'ai 80 gemmes, mais j'ai quand même pigeonné pas mal de skins. Et en skin Coupe Star, je crois que j'en ai 5. J'ai Penny Contrebandière, Byron Sorcier, Beau Miel, Nita Nyan. Et je crois que j'en ai un cinquième que je me souviens plus, mais je crois que j'en ai cinq. Ensuite, prochaine question et avant-dernière question. GG, trop bien pour toi, ça fait plaisir. Pour toi, j'ai une question. Qui est ton plus fidèle abo? Sinon, bonne journée à toi et bon courage pour le million d'abos. Donc déjà merci pour la force frérot, tu régales. Et je pense que mon abo le plus fidèle, donc l'abo qui m'a connu le plus il y a le plus longtemps, c'est sur son pseudo Brawl Stars c'est Ninja, mais il s'appelle Noah Loualé. Enfin désolé, j'ai pas le pseudo sous les yeux, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc lui c'est mon abo qui m'a connu le plus tôt et qui m'a encore mis des messages. Et voilà, sinon j'en ai quand même pas mal, j'en ai beaucoup là actuellement qui me donnent beaucoup de enfin qui me donnent beaucoup de force, qui m'écrivent beaucoup de messages. Donc à peu près j'en ai le plus fidèle c'est lui, mais sinon j'en ai quand même une bonne dizaine qui me suivent vraiment pas mal. Et ensuite dernière question qui vient du frérot Aislo. Déjà les gars, allez vous abonner à sa chaîne. Elle est en description. On rush ensemble les 50K. Donc allez lui donner de la force à masse en s'abonnant à sa chaîne. Et me pose comme question, c'est quoi ton objectif final sur YouTube? Alors mon objectif final sur YouTube, c'est les 50 000 abonnés. Donc il y a beaucoup de gens qui disent 1 million, 100 000. Non, moi c'est 50 000 mon objectif absolu. Et voilà, c'est vraiment l'objectif. Quand je l'atteins, je me dis, c'est incroyable. C'est vraiment un passage incroyable. Voilà, c'est magique quoi. Mais mon objectif actuel sur YouTube, c'est les 1000 abonnés. Une fois que j'ai les 1000 abonnés, mon passage, ce sera les 10 000 et après 50 000. Voilà. Du coup, j'ai répondu à ta question, je pense. Et ben on va clôturer cette vidéo. Voilà. On va mettre fin à cette vidéo. Petite FAQ tranquille. Donc j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi.
Et puis, bah franchement, je vous dis à la prochaine vidéo. C'est Alex et BS. Allez, ciao!